Alors, on était au chapitre 9, on était allé donc au verset 4 et 5, on l'avait lu hier, mais enfin, on va les reprendre. Et je vais commenter les nombres des degrés qui sont hyper importants. Alors là, lorsque nous avons le verset 4, qui parle donc de ces sauterelles, hein, il dit comme ça. On leur ordonne de ne pas nuire à l'herbe de la terre, à aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. C'est clair et net. Celui qui a compris ce verset, parce qu'il est incompréhensible, mais celui qui a compris ce verset a compris que ici nous sommes devant une décision qui touche à un nombre qui est le nombre 135, qui est fondamental. 135, c'est l'éclosion de la vérité, puisqu'il est marqué 135 fois, je vous l'avais commenté une fois, je vous l'avais expliqué, le mot vérité dans toute la Torah, dans tout le Nar. C'est-à-dire quand on compte le mot vérité dans la totalité de tous les textes bibliques, nous avons 135 fois le mot vérité. Donc, l'éclosion de la vérité finale, c'est la dernière éclosion. Et là, ici, on dit que la notion de participation des femmes, en fait, on peut comprendre et déduire de cette chose, comme je l'avais commenté, est hyper importante, parce que ce sont elles qui vont amener le dernier plan de vérité qui reste, et tous les plans de vérité qu'il y a eu au cours de l'histoire du temps, on a grandi les hommes, on a parlé des hommes et les femmes ont été mises de côté. C'est-à-dire que quand on a parlé de tous les grands maîtres de vérité, c'est au nom de ces grands maîtres, c'est pas, des fois on cite leur père, mais on ne cite pas leur mère. Curieux, hein, pour un judaïsme galoutique qui a adopté la loi que c'est les mères qui transmettent la génération, alors que la Torah dit que c'est le père. On ne soupçonne pas les pères. Il y a une génération où on a soupçonné les pères, et à partir de ça, on a décrété cette loi, et cette loi elle a été étendue sur toute l'histoire, alors qu'en fait, elle avait raison d'être étendue que sur une seule génération. C'est la génération où il y a eu des viols, quand il y a eu la prise de Jérusalem et la destruction du Temple. Uniquement, ça devait s'adapter à ces générations et pas suivre. Mais ils ont continué à transgresser, à aller à l'encontre de la Torah, et amener une loi faussée. Voilà. Et donc là, ici, le nombre 135 hein, est la grande clé de 5 fois Yud-Kivavke. 5 fois Yud-Kivavke plus 5. Le 5 en plus va désigner le Hé à Tarton, le Hé d'en bas, dans le nom de Dieu, le Hé d'en bas, qui est le Hé d'en bas, sa relation est directement avec Malchut. Donc le Malchut, ou le royaume qui a été déchu, qui est tombé depuis l'origine de Adam Arishon, qui s'est empégré, qui a pèlegriné à l'intérieur de ce monde de la Tardoma de plus en plus, c'est-à-dire de plus en plus endormi, et dans l'endormissement, jusqu'à la fin finale, qui est l'éclosion de la vérité, la rééclosion de la vérité. Tant que la vérité n'éclot pas, les rigueurs prédominent sur les chassadés. C'est-à-dire qu'en fait, on oppose un 135 de chassadim à un 135 de gevurot. C'est-à-dire qu'on oppose toujours un 135 de chassadim, c'est-à-dire émanant de 5 sphirotes desquelles les chassadim sont déférés. Les chassadim, ce sont les bontés. Et il y a 5 sphirotes qui sont plus limitatives, desquelles dérivent les gevurot, c'est-à-dire les restrictions, la justice stricte. Okay. Et donc, ce verset 4, dans le chapitre 9, nous signifie cette chose-là. C'est qu'en fait,
Pourquoi elles sont là, ces sauterelles? Alors, écoutez bien. De cette fumée, des sauterelles se répandent sur la terre, un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre est donné. Donc ça, c'était le verset précédent. Alors le verset qui tombe au degré 135, c'est celui-ci. On ne leur donne pas de nuire à l'herbe de la terre, à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Alors la notion du sceau de Dieu sur leur front, j'en avais très très beaucoup parlé dans mon livre de Gog et Magog, mais ici, on comprend, on ne voit pas qu'est-ce que ce verset-là vient faire là. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, bon, on parle de ces sauterelles, elles vont venir pour exécuter un jugement contre l'humanité, mais attention, elles ne vont pas toucher tout le monde. Elles vont toucher tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Vous comprenez ce que je veux dire? Elles vont toucher tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Je répète, est-ce que ça a été compris? Je pose la question. Ça veut dire quoi? Bon, je vois que personne ne donne un avis, donc je vais le donner. Hein. Le verset est clair ici. On leur ordonne de ne pas nuire à l'herbe de la terre, à aucune verdure ni à aucun arbre, mais seulement aux humains. Est-ce que vous remarquez que la période que nous avons passée, le confinement, est une période qui est sortie d'une manière totalement extraordinaire de toute l'histoire, car c'est le premier Pessah qu'on a passé en confinement. D'accord? Depuis la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de confinement. On va remarquer que pendant le temps du confinement, de nombreux phénomènes sur la Terre se sont rééquilibrés à une vitesse hyper plus rapide que la vitesse normale à laquelle ça se rééquilibre. Chose qui pourrait étonner beaucoup de savants qui avaient donné des temps hyper plus longs pour un rééquilibrage. Or là, on voit que ça s'est fait d'une manière beaucoup plus rapide. Et on va voir que, en fait, la notion de cette sélection est faite dans un temps précis. Donc, apparemment, d'après tous les versets qui nous avaient signifié des choses sur cette année, d'après l'analyse que nous avons fait générale sur cette année de 2020, qui est 2000 plus 20, 61 fois 20, qui est 20 désigne la base du nombre du karma, il est clair que tout le karma de l'humanité sur les 101, on pourrait dire 101 cycles de 20 ans. C'est fait, c'est exécuté, et que, effectivement, maintenant, on est testé. Et c'est cette année-là, précisément, qu'on est testé, qui n'est pas une année comme les autres. Alors, ce qui se passe, ce qui va être extraordinaire, c'est quoi? C'est que, précisément, ce verset-là, hein, définit quelque chose qui est incompréhensible, hein, qu'on n'a jamais vu. La nature pas touchée, mais les hommes touchés. Effectivement, on voit aujourd'hui des biches qui se promènent dans des endroits, dans les villes pratiquement. On voit des animaux venir s'aventurer jusqu'à des points très proximes de villes habitées. On voit la nature qui se renouvelle. On voit que certaines abeilles commencent à aller mieux, on voit que de nombreuses espèces touchées végétales recommencent à se manifester, hein, s'épanouir, et on voit que finalement cet oxygène qui manquait quelque part à la planète commence à se refaire par le biais du végétal. Par contre, en parallèle, on va voir que ces sauterelles vont,
venir attaquer ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Donc on estime que, comme l'a dit Isaïe, dans le fameux chapitre où il dit « Restez en confinement, mon peuple, jusqu'à ce que passe l'ouragan, enfin l'orage, enfin le... » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une chose. Restez en confinement jusqu'à ce que ces choses-là, ce sceau ait été mis. Car quand bien même, ça a arrangé certains, personnes qui étaient du côté de la rigueur extrême, et qui allaient dans le sens des forces de rigueur, parmi ceux qui sont dans le gouvernement de Romain Gall, leur plan a échoué, s'est renversé quelque part, car avant tout, les forces de bonté vont primer et vont venir, on pourrait dire, supplanter les forces de rigueur et donner la possibilité d'échappatoire à ceux qui ont respecté ces choses-là. Voilà pourquoi j'ai insisté là-dessus. Ne le faites pas au nom des États qui vous l'ordonnent, faites-le au nom de Dieu. Vous comprenez ? Et ça, c'est quelque chose qui dérive d'une alchimie divine extraordinaire. C'est une alchimie globale et sociale et globale planétaire. Je veux dire. Alors, on va comprendre pourquoi le degré qui suit, écoutez bien, je vais revenir après sur le nombre des lettres qu'il y a dans chaque verset, mais on va comprendre pourquoi le degré qui suit, qui est le degré 179, qui est presque la moitié du cercle. On avait eu un autre qui était un peu avant, qui était avec la moitié du cercle plus un degré qui désignait le degré d'Adam Harishon, et la base de l'établissement du monde du Tikkun. Et là, on voit que c'est un degré avant le monde du Tikkun. Parce que 179 degrés, ça tombe au degré 29 de la Vierge, soit, comme on pourrait dire, un degré avant la création de l'homme, lors de la fameuse Akama du monde du Tikkun. Akama, ça veut dire établissement du monde du Tikkun. Ça veut dire quoi? Ça replonge toute l'humanité face aux fameux arbres de la connaissance du bien et du mal, dans leur possibilité de le réparer. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Il leur est donné, non de les tuer, mais de les tourmenter 5 mois. Le tourment est semblable à celui d'un scorpion qui pique un homme. Voilà pourquoi, durant le signe du scorpion, il n'y a pas de fête. On sait qu'à la fin des temps, il y aura une fête. Il sera rajouté une fête au scorpion. Et en l'honneur de qui? En l'honneur du fameux scorpion d'or qui est chevauché par le Machiav pour piquer les méchants. Alors, écoutez bien. On va analyser le nombre de lettres qu'il y a dans ces deux psaumes, dans ces deux versets. Le premier contient 94 lettres. Le deuxième contient 63 lettres. Alors, lorsqu'on écrit Magen Aleph, l'unité du bouclier, écoutez bien, c'est très fort. Et ça mérite un peu approfondissement et réflexion. Donc, je ne vous fais pas un cours simplement pour vous donner un cours. Je vous demande de réfléchir là-dessus. Alors, il dit comme ça, le verset 4 du chapitre 9. Donc, il leur ordonne de ne pas toucher à l'herbe, aux arbres, tout ça, seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Alors, il contient 94 lettres. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il avait le bouclier de l'unité. 13. Comment? 13. Oui. Ils avaient le bouclier de l'unité. Ce bouclier de l'unité, c'est sûr qu'il se relie directement au nombre 13 par réduction par rapport à 9. C'est vrai, on peut dire 94, 9 et 4, 13 aussi. En valeur numérique, on réduit par 3 par 9, mais c'est très important de voir qu'aussi ça signifie
les 13 pétales de la rose qui vont être protégés par 5 pétales qui entourent. Bon, écoutez bien ce que je dis. Non, Batsheva, non, Batsheva. Ok. Alors, donc les 5 pétales de la rose qui entourent, qui protègent les 13. On a vu que 13 sortaient du 94, par réduction par 3 par 9, et l'unité du bouclier, et on comprend que c'est vrai que c'est précisément dans ce schéma-là. Le Magen, qui est là, que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Et le 13e est au centre. Ce sont les 13 pétales de la rose. Okay. Dans le magazine, ça correspond à 13 théilines. Et puis vous avez 5 théilines qui entourent, qui sont reliées dans le Tikkun HaGeoula que j'ai constitué ici, aux 5 pétales de la rose qui entourent et qui mettent les protections sur la rose. Donc ici, l'assemblée, c'était marqué au début déjà du texte, l'assemblée s'est étendue pas seulement à être une assemblée d'Israël, mais à être étendue dans une assemblée du monde entier. Et là, on va voir que dès que l'unité du champ de connexion se fait dans l'Assemblée mondiale, eh bien, que tous ceux qui vont être sélectionnés, qui ont comme ayant le sceau de Dieu sur le front, vont recevoir, évidemment, le bouclier autour, leurs 13 pétales personnels vont se développer à partir du magen, du bouclier, qui s'appelle bien bouclier de David. L'étoile de David, c'est bouclier de David. Et précisément, l'unité du bouclier va inclure dans cette unité globale, qui est dans ce livre-là, tous les boucliers personnels et individuels de tous les individus qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Réfléchissez-y bien, parce que regardez le verset suivant, qui est le verset 5. Du psaume 9, du chapitre 9. Allô? Allô? Non, mais ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, ça y est, fermé. Hein? Qui est le verset 5 du psaume 9, du chapitre 9. Il leur est donné non de les tuer, les hommes qui n'ont pas le sceau sur le front, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Or, précisément, non seulement c'est le verset 5, non seulement il parle du nombre 5 dans les mois. 5 mois, c'est 5 tours de lune sur tout le signe du zodiaque. Okay. Mais en plus, il suit directement le verset qui, par réduction par 3 par 9, passera du nombre 94, qui est le nombre des lettres, à une réduction à 13. Pour dire quoi? Que ces 13 lettres sont en fait 13 psaumes qui sortent du magen de chacun, allant à exactement parallèlement, comme il existe la même chose au niveau de la Géoula totale, c'est-à-dire de la délivrance totale de l'humanité. Et voilà pourquoi, voilà d'où l'importance de ce livre, comme je l'ai signifié. C'est un petit livre, c'est Polycope, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a vraiment une chaîne qui est extrêmement forte ici et qui relie toutes les chaînes personnelles à cette chaîne globale. Alors, c'est ça l'unité du bouclier. Vous comprenez pourquoi c'est marqué l'unité du bouclier? L'unité du bouclier de quoi? De l'amour. Vrai. Puisque c'est la raison pour laquelle 94 se réduit à 13.
et de l'amour vrai entre tous les âmes qui vont développer leurs 13 pétales, qui vont se rallier aux 13 pétales de ce Tikkun HaGeoula. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi le nombre précis de verset 5 est au degré 179, c'est-à-dire c'est comme si ça allait replacer juste avant la Hakama du monde du Tikkun, c'est-à-dire juste avant l'élaboration du monde du Tikkun, et juste avant la création d'Adam. Ça veut dire qu'ils ont maintenant tous et chacun la possibilité d'être replacés devant la faute d'Adam et de ne pas la faire. Et c'est ça le Tikkun. Comprenez la force. Alors là, on va comprendre énormément et majestueusement pourquoi il y a 63 lettres à ce verset. Parce que comme je vous avais expliqué dans un cours précédent, le nombre 63 est relié, en fait c'est 64 qui fois 8 moins 1, qui est la mer. Si on prend les 64 hexagrammes du Dikin, qu'on déduit la mer, il reste 63. En hébreu, dans la Kabbalah, dans la véritable Kabbale que nous transmettons, hein, qui n'est pas la Kabbale dévoyée avec laquelle certains essayent de dominer le monde, hein, bien sûr, eh bien, évidemment que dans cette Kabbalah, la notion de la mer est le nom global, du nom de Dieu global, qui fait en valeur numérique 63, qui désigne l'éternel, écrit comme ça, Yod Vav Dalet égale 20, Heyu égale 15, alors vous mettez 20 plus 15 égale 35, Vav Aleph Vav égale 13, et c'est la clé, 13. Okay, la clé de l'unité. Et en fait, après, encore une fois, 15. Donc ce qu'il va faire, 20, 15, 13, 15 égale 63. Et alors, ça représentera le monde de Bria, c'est-à-dire le monde de la création, ou le monde idéal, on pourrait dire d'avant la faute, et la chute dans ce qu'on appellerait le monde de Yetzira et le monde de Hesia. Alors, voilà. Donc, cette force-là va agir là-dessus, précisément. Et encore pour approuver encore cette notion de 5, on va voir que le nombre de tours de 360 est 5 tours, et que là, on est dans le sixième tour. Et le sixième tour, ça te place précisément dans le sixième millénaire, mais ça te remet dans le stade antérieur à la création de l'homme. Comme si là, on donnait à l'homme de réparer la faute originelle et on donnait à la fin de réparer la faute qui était liée. C'est top du top. C'est fantastique. Je veux dire que sans ces nombres-là, on ne peut pas faire parler les versets. On ne peut pas les comprendre réellement. Alors écoutez bien maintenant. Verset 6 du chapitre 9. En ces jours, les humains chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils souhaiteront mourir, et la mort ne les fuira loin d'eux. Et curieusement, là, on trouve 71 lettres, c'est-à-dire malais-lettres. Malais-lettres. Il y a un remplissage de lettres. Comme si quelqu'un qui s'estime complet, à point de pouvoir juger tout le monde, et tous ceux qui sont du côté de ce complet qui croit juger tout le monde, qui prétend juger tout le monde, eh bien, en fait, ils vont se rendre compte d'une chose, c'est qu'ils chercheront la mort, mais ils la trouveront pas. Ils vont être très tourmentés. Jusqu'à ce qu'ils capitulent, ils vont être très tourmentés. Pourquoi est-il donné ici cinq mois de souffrance? Parce que précisément, ces 5 mois, c'est avant que ça sévisse totalement, avant le verdict final. Donc, sur ceux qui sont de ce côté, qui s'estiment complets, qui s'estiment vouloir faire la pluie, le beau temps comme ils veulent,
eh bien, ils vont se rendre compte d'une chose, qu'ils ne sont pas complets. Il manque un point pour arriver à 72, c'est-à-dire la totalité du chemin en forage. Et c'est ce point manquant qui est finalement la clé de tout. Parce que, et ça marque que, en proto-synaïtique, par exemple, j'ai montré que le premier nom et le dernier nom avaient l'exact même nombre de cercles. C'est pas vrai. Ils sont complémentaires l'un l'autre. Et curieusement, lorsqu'on associe ce nombre de cercles du premier et du dernier nom, on obtient en tout 26 cercles. Curieux quand même, 13 et 13. Or, entre le premier nom et le 72e nom, ça fait une référence au nom de Dieu qui fait 72 en valeur numérique, qui fait 26 en valeur simple, mais lorsqu'on écrit ainsi, Yod Vav Dalet, 20, Heyud, 15, Vav Yud Vav, 22, Heyud, 15, on obtient les quatre lettres du nom de Dieu, écrites en remplissage, malé, complet, qui atteignent 72. Et là, il manque le dernier, ou le premier. Alors là, ça c'est le nombre des lettres. Mais curieusement, on va se rendre compte que la valeur numérique en système de valeur de nombre, comment dirais-je, de nombre qui donne les degrés, est équivalent au degré 46. Or, curieusement, nous avons dans le 46 les lettres, écoutez bien, Vavdalet du premier Yud, on écrit Yod, c'est Yod plus Vavdalet. Ensuite, He, c'est He plus un Yud en plus. Ensuite, Vav, Vav, Yud, Vav. Il y a Vav et il y a Yud Vav en plus. Et ensuite, He Yud, on a He plus Vav en plus. En plus du Yud Kiravke, nous avons donc les lettres Vavdalet, Yud, Yudvav et Yud. Et là, c'est le couronnement de la chose. La couronne à laquelle rien ne peut échapper, c'est-à-dire que ça donne 46 en valeur. On appelle cela la pénimiyut, c'est-à-dire l'approfondissement intérieur, l'introspection, ce qui naît de l'introspection, l'intériorité de la Hatsilut, c'est-à-dire du monde de l'émanation divine, qui est lié au nom de Dieu, Nuktilavke, l'Éternel, faisant 72 dans valeur numérique, et désignant ensuite, dans son extension, le monde en 60, le nom en 72 lettres, qui est marqué sur le pectoral du prêtre, du grand prêtre, et les 72 noms que l'on connaît, qui sont liés aux hiérarchies de tous les peuples, et deux hiérarchies principales complémentaires, qui est la complémentarité entre, Xavier, je te donne la parole, hein, qui est la complémentarité entre le monde qu'on appelle de l'ONU spirituel ou Melchizedek, et le monde de Israël rédempté tel qu'il devait être aux origines à la fin des temps. Et là, on a 1 plus 70 peuples. On a l'établissement de l'ONU spirituel qui va remettre de l'ordre dans Israël et toutes les 70 nations qui vont représenter le véritable plan de constitution tel que Dieu l'a voulu et non pas tel que certains falabraques l'ont voulu. Alors cela va engendrer le verset qui suit, hein, on sait que donc ils vont être tourmentés, ils voudront mourir, ils n'y arriveront pas. Après 5 mois de tourment, soit ils vont réviser leur point de vue et comprendre, soit c'est un problème pour eux, parce que en ce moment-là, c'est un autre slave dont je ne préfère ne pas parler pour le moment, on verra ça dans les chapitres suivants. Alors, le verset 7 dit comme ça, et lui il vient faire le céder, puisque son nombre est équivalent à céder, à l'ordre, hein. Seder qui veut dire l'ordre, hein,
Ceux qui veulent bien mettre leur caméra, c'est mieux pour l'enregistrement et c'est mieux pour nous. Voilà, si vous voulez. Donc, Serge, si tu veux mettre ta caméra, ce serait bien aussi. Voilà. Donc, céder, ça veut dire l'ordre. Et ici, le degré, c'est le degré qui met de l'ordre. Donc, ce degré qui met de l'ordre va être là pour précisément arranger les choses telles qu'elles doivent être ordonnées. On les avait désordonnées. Vous comprenez ? Là, elles vont être réarrangées telles qu'elles doivent être arrangées. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le nombre des lettres dans ce verset est précisément 72 lettres. Vous savez, ça c'est après 2000 ans. Hein. Il méritait bien ce pirouge-là. Parce qu'ils ont négligé, ils ont dit « Ouais, c'est rien, c'est ci, c'est ça », ils ont rabaissé. Alors, il fallait bien leur sortir après 2000 ans ce pirouge qui est la synthèse de tous les textes prophétiques et de toutes les apocalypses. Voilà la raison pour laquelle je mettrai ce texte-là en rapport avec toutes les autres apocalypses. Voilà. Donc ça va être à partir de demain, on va commencer à mettre les choses en relation avec les autres apocalypses, avec les versets en valeur numérique dans le Tanakh, équivalent aux valeurs numériques de ces versets. Alors ça va prendre du temps, bien sûr, cette étude, mais c'est pas grave, ça en vaut la peine, parce que ça nous permettra de vraiment, dans l'actualité des choses, de pouvoir comprendre la notion de ce que ça veut dire 2000 ans de temps messianique. Ceux qui n'ont pas compris, ils vont l'apprendre. Et ils seront bien obligés de l'apprendre. Voilà. Alors, ces sauterelles ressemblent à des chevaux. Alors, les chevaux, c'est toujours un principe qui est relié sous. Remarquez une chose, sous-cim. Alors, ces sous-cim, le sous, vous voyez, c'est un sameur, un vav et un sameur. Le sameur forme un espèce de cercle. Il est 60 en valeur numérique, qui est la valeur numérique des 60 visages des prophètes, alors que le deuxième sameur va représenter la roue avec les 60 visages des prophètes qui tournent à l'endroit, dans le sens du futur de l'individu, ou à l'envers des fois, quand les planètes tournent à l'envers quelquefois. Et donc ce sens rétrograde veut dire que quelquefois, les problèmes sont karmiques qui nous arrivent. C'est-à-dire que ce qui nous arrive dans un temps donné n'est pas lié au temps que nous traversons, mais est lié à un temps passé dans lequel l'événement que nous traversons est lié par une espèce de tinor, comment dirais-je, une espèce de vortex luminaire à un autre temps. Et c'est dans notre temps que nous passons ce problème-là que va se juger, hein, qu'on va être mis on pourrait dire, en possibilité de réparer l'erreur que nous avions fait avant. Et ça, c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle, dans les textes du Arizal, par exemple, dès l'Akdama, on dit « Écoutez et lisez les livres de Chochmat HaTrona, et en particulier ceux de Abraham ibn Ezra. » Pourquoi ? Parce que de Abraham à Abraham, il n'y a eu qu'Abraham. Ça veut dire que depuis Abraham Avin, qui connaissait la vraie astrologie, qui n'est pas l'instant Gninout, la vraie astrologie, elle est liée à l'astrologie prophétique. Et pour les ignorants qui croient que instant Gninout dans le Midrash signifie l'astrologie, ben je corrige, l'instant Gninout, ça veut dire l'instantané, c'est-à-dire ce qui se passe dans le ciel au moment où nous le sondons. Et c'était un type d'astrologie précis, une branche précise de l'astrologie globale, hein, qui peut être astrologie médicale, astronomie, toutes les sciences de Torna, les cosmos, cosmologie, cosmogonie, cosmosophie, astrosophie, astrologie, et toutes les sciences astrales, sauf une, Instanglino. N'allez pas selon l'astrologie des Chaldéens qui s'appelle la Instamino. Et voilà ce que, de génération en génération, par ignorance et d'une connaissance qui était une des branches de la Torah liée à Netzach, ils ont répété de génération en génération
et on a répété, transmis le message aussi bête qu'ignorant, et Ezra lui-même l'a mentionné, déjà dans son livre, je suis trop matin Mazalot, hein, il l'a déjà mentionné en disant En Mazal Israël. Ça veut dire, ça n'a rien dit. Tu manges, tu bois, tu rentres aux toilettes comme tout le monde, et tu crois que les Mazalot, ils sont inférieurs à toi. Parce que tu appartiens au peuple élu, et que tu t'en gargarises. C'est de la gonflette, ça. Alors, il faut arrêter avec cette gonflette et revenir au principe des sages d'antan. Et là, à ce moment-là, on comprend pourquoi. Dans ce septième verset, c'est-à-dire qui dit donc, ces sauterelles à Arbé hein, ressemblent à des chevaux. Pourquoi des chevaux? Parce que les chevaux, précisément, sont, quand on décrit la Merkava, on la décrit par des chevaux. Bon, d'abord parce que les chevaux tirent des chars, et que les chars contiennent des roues rondes, on peut dire que ce sont les deux samers. C'est-à-dire, il peut y avoir des chars qui tiennent sur une roue, devant et une roue derrière. Ou alors deux roues, une là, une à droite et une à gauche, et le char est tiré par les chevaux. Donc, c'est la base même du cercle, mais le cercle, ne sois pas idiot de croire que c'est seulement les roues des chevaux, hein, qui s'appellent Soussim, et qui dans leur nom sont liés à tirer les chars, les chariots, que chariot, c'est que Soussim terrestre qui le tire. Il y a le chariot de la grande ours et de la petite ours. La preuve, on les appelle Merkava. Et Merkava, c'est déjà un char. Donc c'est lié au Maasé Merkava, les Soussim. Le double Samer, qui veut dire la roue qui tourne comme ça et la roue qui tourne comme ça, à l'inverse, représente les deux roues du karma. La roue du karma est la roue du destin vers le futur. Donc les prophètes, les 60 prophètes qui sont liés à toute la sphère où chaque prophète représente, où chaque personnage marqué dans le fameux Goral Ibn Ezra, qui sont les 60 qui ont été rapportés dans le Goral Ibn Ezra, eh bien effectivement, ils ont une relation avec 5 visages du bélier, 5 visages du taureau, 5 visages des gémeaux, 5 visages du cancer, et ainsi de suite, jusqu'au tout le zodiaque, c'est-à-dire 5 fois 12 égale 60. Ce sont les 60 guibourines. Ce sont que les 60 guibourines d'Israël. Qui protègent quoi? Qui protègent celui qui est au centre, et quand on prend le centre, on le relie avec la périphérie, ben on a un vav. Donc on a dans le mot sous, la clé du cercle, de son rayon, c'est à cette base qu'on forme les roues, n'est-ce pas, des chevaux, mais archaïquement, on voyait comme la roue, mais il faut voir ça à un niveau plus grand, c'est pas n'importe quelle roue, c'est la roue du zodiaque, les Shtaim Esrei Mazalot, mais c'est, au-delà de ça, c'est les roues célestes qui traversent ces Shtaim Esrei Mazalot, dans tout l'espace de la galaxie qui est la nôtre, et dans les espaces des autres galaxies. Donc, il va y avoir, au travers de ces sauterelles qu'on dit, elles ressemblent à des chevaux, mais venues d'où? Ça ressemble à des mercarottes, ça ressemble à des chars célestes. Elles sortent de ces chars, elles vont aller punir les gens qui font le mal. Ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu marqué, qui est Torah Temet, sur leur front, mais ceux qui ont à la fois, à la place, le sceau marqué « Toute sa haute mavet ». Et là, ils vont les frapper, ceux-là. Mais ils ne vont pas les frapper tout de suite et tous. Ils vont d'abord frapper pendant 5 mois. Et pendant ces 5 mois-là, il va y avoir un temps de réflexion. Donc, il y a le confinement, l'arrivée des sauterelles pendant le confinement, qui vont commencer à faire la justice, et si tous les gouvernements ont indiqué, ont dit, nous sommes en guerre, et quelque part on dit, on ferme notre gueule, tout le monde en confinement, il y a une raison pour ça, parce que ça a été ordonné d'en haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Aussi bien Trump que Poutine, que Macron, que tous les gouvernements du monde savent très bien cette chose-là, et ils ont été arrêtés.
Et on leur a dit, maintenant, tout le monde en confinement. Dieu va faire la sélection. On va voir ceux qui ont le sceau marqué comme ça ou marqué comme ça. Et on va le mettre à ceux qui n'ont pas encore. L'histoire de la puce, tout ça, c'est du baratin. C'est du baratin. La puce ne peut pas agir à l'encontre des projets divins. Alors, il n'y a pas à redouter la puce pour la simple et bonne raison qu'il y a un projet divin. Le projet divin, il est marqué en fonction de ce qui est marqué ici. Et c'est ça qui vaut bien plus que la puce de Bill Gates et compagnie. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Ils n'arriveront pas à ce qu'ils veulent. Alors, pendant 5 mois, on les met en épreuve. Et on va bien voir, quand il y aura le déconfinement, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont commencer à se comporter comme il faut qu'ils se comportent, c'est-à-dire admettre qu'en réalité, il y a un créateur, et admettre qu'il y a un roé Israël, il y a un berger d'Israël. Et ça, s'ils acceptent, ils comprennent bien, parce qu'ils ne font pas le poids contre le berger d'Israël, de toute façon, ils peuvent venir tous ensemble, même tous ensemble, tout seul, ils les mettent tous KO. De toute façon, de par les enseignements qu'il a en sa possession. Et il leur fait même tourner Kazakh par rapport à une connerie qu'ils avaient mal compris il y a 2000 ans, et qu'ils ont transmis pendant 2000 ans, hein, alors ils ne pourront pas faire leur loi là, parce qu'on va leur mettre la vérité en face et ils seront obligés de comprendre. Et puis s'ils ne comprennent pas, ben, il va y avoir les sauterelles, les anges sauterelles qui vont les aider un petit peu. Voilà, c'est tout. Et ces anges sauterelles, elles sont prédominées par Hachem. C'est Hachem qui les envoie. C'est la raison pour laquelle la sauterelle se dit Arbé. Arbé, Aleph, Resh, Beth, He. Pourquoi ça se dit Arbé? Parce que tout simplement, dans Arbé, vous avez Habara. Hevaer. Habara, la création, Hevaer. Je vais vérifier, je vais la sonder. Ce sont ni plus ni moins que les anges exterminateurs de l'abîme qui viennent vérifier ceux qui ont continué avant de sortir de l'abîme, qui sont venus après la sortie de l'abîme, et qui sont venus continuer à aérer et à dominer les gens pour les amener vers un mauvais chemin qui aura amené une catastrophe qui aura été semblable à celle d'avant de tomber dans la Shvira. Donc on est à un temps où on doit faire la réparation de la Shvira. Et pour faire la réparation de la Shvira, il faut être confronté à la même chose. Même si ce n'est pas avec les mêmes kélim, bien évidemment que ce n'est pas avec les mêmes kélim. Parce que vous voulez comparer les kélim, même des instruments qu'on a aujourd'hui dans notre technologie extraterrestre, qui a été aussi beaucoup influencée par des forces extraterrestres qui ont communiqué avec la Terre, hein, eh bien, vous voulez comparer cette technologie-là avec la technologie de ce qui était Kedem Adam Harishon, mais ça ne fait pas le poids. Mais c'est sûr que ça ne fait pas le poids. C'est bien sûr que c'est en réduit. Mais cette chose-là, en réduit, on ne te demande pas de réparer la montagne, on te demande de réparer le bas de la montagne. Quand tu répares le bas de la montagne, Hachem il va réparer toute la montagne. Pourquoi? Parce que quand il a fait venir au monde le monde du Tikkun, il a officialisé le Tikkun. Dès le commencement, la fin du Tikkun était déjà décrétée. Tout le reste, c'est comme une espèce d'illusion dans le monde de la Tordema, parce qu'on est tombé dans l'illusion de la Tordema dès le début, avec la faute d'Adam Harishon. Adam Harishon ayant été créé au degré 181 du zodiaque, c'est-à-dire premier degré de la balance, c'est là aussi où j'ai mon ascendant qui commence, mon Mazal Atzomea, selon Ibn Ezra, et donc c'est sur ce point-là, précisément, que on fait allusion au retour, puisque le verset 5, j'avais dit, qui parle des fameux choix qui va être fait par ces sauterelles sur les points exacts ou sur les personnes qui ont le sceau, qui vont être marquées pour protéger, comme protégés, et ceux qui ne vont pas être marqués comme protégés, et bien évidemment qu'elles savent leur travail. Elles vont bien voir qui elles sont, ceux qui ont été rejetés de l'abîme et qui sont revenus pour faire leur mélasse encore une fois ici, dans ce monde, et le perturber, hein, elles vont les prendre et les retourner à l'abîme. Pendant 5 mois, elles vont les torturer. Après ces 5 mois, on saura. Soit ils marchent la bonne voie,
ils comprennent qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il ne veut qu'un berger à Israël, et qu'ils réalisent Ézéchiel 48 et Ézéchiel 34, 35 et 36, hein, et à ce moment-là, Dieu protège tout le monde et l'univers entier est protégé, toute la terre, soit ils veulent continuer à amener la déglingue qui se passe sur la terre avec tous les problèmes qu'il y a par chaîne de cause à effet, hein, en voulant aller selon leur voie et être les mauvais guides, comme c'est marqué dans Ézéchiel 34, ben alors là, ils verront bien où ça les mènera. C'est tout. Voilà. Ils ont 5 mois pour réfléchir à cette chose-là. Et ces 5 mois, ils ont commencé à partir du début du confinement. C'est pourquoi on ne comprenait pas le verset 4 dans sa structure du chapitre 9, parce que c'était absolument impossible à comprendre si on n'avait pas cette clé-là. Et il fallait être arrivé au temps pour voir que dans la structure du verset, son apparente incohérence, il n'y a qu'une seule cohérence qui peut l'expliquer. Et la seule cohérence qui l'explique, c'est celle qui prouve que tout ce qui était avant a bien annoncé la période que nous passons. Et je vous l'ai démontré dans les cours précédents. Et là, ça prouve bien qu'on est bien exactement à ce degré-là. Et qui explique là. C'est que comme ça qu'il prend sa cohérence. Et personne, ni le pape, hein, ni qui que ce soit, ne pourra vous expliquer la valeur de ce verset, la profondeur de ce verset. Il n'y a que, en le calculant selon la clé de calcul que j'ai, ici utilisée, et que je peux prouver la profondeur de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout. C'est tout. Voilà. Alors donc, on voit que à partir du verset 7, le but, bien évidemment, de ces sauterelles qui ressemblent à des chevaux prêts au combat, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de chars célestes qui sont arrivés sur Terre. Ça m'avait été annoncé déjà il y a très longtemps. Et là, je peux vous garantir qu'ils sont là, qu'ils sont tous au-dessus de la Terre. Et ils vont enrayer totalement toutes ces gouvernements d'ordre mondial et compagnie. Et j'ai eu le contact il n'y a pas longtemps, et Hachem a certifié qu'ils sont là, et j'ai été contacté directement pour dire « ça va, c'est la fin ». Et voilà, on m'a montré un rêve il y a 2 jours, et je vois que dès le surlendemain, c'est-à-dire ce matin, le rêve, il y a eu un signe par lequel ce rêve-là signifie. Et ça m'a donné l'orientation du rêve, ce qui s'est passé ce matin à 6h du matin à Nathalie. Voilà, ces sauterelles ressemblent à des chevaux prêts au combat. Sur leur tête, sur la tête, elles ont comme des couronnes d'or. Attention, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas des forces du mal, elles ont des couronnes d'or. Si le texte leur accorde autant d'importance, parce qu'elles sont là pour remettre les choses à l'endroit. Hein? Elles sont là pour corriger, elles ne vont pas toucher les justes. Elles ne vont pas toucher les justes. Elles sont là pour semer la terreur parmi ceux qui vont à l'encontre et qui font exprès d'aller à l'encontre pour diviser le monde, pour l'exploiter, pour exploiter la nature, continuer à tuer des animaux, continuer à tuer le végétal et à s'en foutre totalement de ce qui se passe. Ça suffit, il est temps de s'occuper de ces choses-là et de mettre à ces gens le haut là. Hein, vous voyez ? Voilà. Donc, voilà. Donc, ce verset-là, sa valeur numérique en degrés tombe au 264e degré, et le degré de l'ordre. C'est-à-dire, en fait, ils vont venir pour ça, pour une chose, pour mettre de l'ordre sur Terre. C'est le Seder. Le monde du Seder est mis en exact parallèle positif du monde de ce qu'on appelle la Shvira. Donc on a la Shvira qui a engendré le monde du Tohu-Bohu, Alpédéthéum, le Rocher Alpédéthéum, et on a le contraire qui est le Seder, l'ordre, qui est la mise en ordre. Mise en ordre qui se fait pour une raison, et la raison essentielle, et c'est pour ça que c'est marqué ici dans ce livre-là,
pour que l'éclosion de la vérité soit liée automatiquement au sacrifice de l'agneau. Voilà. Vous comprenez ? Et ça, on ne peut pas le trouver tout seul. Même si on le trouve par inspiration, il se peut qu'il y ait eu des théologiens qui l'aient trouvé par inspiration, compris par inspiration, mais je ne crois pas autant. Hein. Mais ça n'empêche que l'inspiration des nombres, avec la clé utilisée là, c'est ça qui parle vraiment. Et qui remet tout le monde d'accord là. Parce que là, ils vont être obligés de se mettre d'accord. Parce qu'en fait, Dieu veut la paix. Alors qu'ils ne s'amusent pas à vouloir continuer avec leur guerre intestine de religion et leur idiotie premier niveau qui croyait avoir tout compris alors qu'ils n'ont rien compris. Alors qu'ils retournent à la case de départ, qu'ils apprennent à s'éduquer eux-mêmes et à respecter l'autre, et après ils pourront petit à petit rentrer dans le système universel. Parce que le système universel ne laisse pas passer ceux qui sont fixés sur un côté et qui disent « il n'y a que moi et c'est moi et pas les autres ». Dieu est l'arrivisme. Dieu est le dictatorisme. Dieu est ceux qui se revendiquent comme fils à papa et qui disent parce qu'on est les bons fils à papa, on est le peuple. Non, on ne veut pas de ça. Vous êtes élus pour une raison, pour essayer de ramener la totalité de l'humanité à la conscience et à la retrouvaille de la conscience. Alors, comportez-vous comme ça, parce que c'est comme ça que Dieu veut que vous comportiez. Et comportez-vous selon l'unité et non pas selon vos voix à vous, et vous verrez que tout ira bien. Et vous ne valez pas moins parce que vous avez réussi à éclairer tous vos frères humains et déclencher en eux le processus d'éveil, hein, même chez des échamotes qui ne sont pas encore assez aussi expérimenté que vous, parce que vous venez des mondes anciens, donc automatiquement, vous avez bien sûr une longueur d'avance dessus. Hein, ça va. Ce n'est pas une raison, parce que vous avez ces longueurs d'avance, de vouloir en profiter et les assujettir, parce que ce n'est pas la voie que Dieu veut donner. Un mari ou un homme, quand il est avec sa femme, hein, il aime sa femme, c'est la dadioud qui compte, c'est la bonne relation qui compte. Ce n'est pas genre je la domine, et puis elle est dominée. Ça, c'est du... Va me montrer ça chez les fous d'islamiques qui tranchent les têtes et qui vendent les femmes. Ça, c'est ça. Et ça, il n'y a pas de ça dans le judaïsme, il n'y a pas de ça dans la Torah. C'est contraire à la Torah. Alors, on va continuer. Verset 8, on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors ici, on est dans le degré 9 de la balance, ou degré 189 du zodiaque, et il est dit comme ça, et leurs cheveux, Vesear, Lahem, Kesear, Nashim, comme des cheveux de femme. Leurs dents sont comme des dents de lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils ont des cheveux de femme, ils ont des dents de lion, ils ont un corps de cheval. Non, c'est une forme race extraterrestre qui a plus ou moins une forme, certes, qui, lorsqu'on prend la forme vue, ça ressemble à des sauterelles, mais en plus grand. Ils ont comme des cheveux qui ressemblent, certes, à une chevelure de femme, parce qu'ils sont assez longs, dans l'image qu'ils ont, quand on les voit. Et certes, ils ont des dents longues comme des dents de lion, c'est-à-dire que leurs dents sont assez renforcées. Et ça veut, prenons-le sur le plan symbolique, je pense que ça correspond. Leur corps ressemble à des chevaux. Ils ont la force des chevaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils viennent du Merkava. Ce n'est pas des démons de la terre. Ils sont passés, ils sont arrivés à nous par le biais de Merkavot. Leurs cheveux sont comme des cheveux de femme. Pourquoi des cheveux de femme? Parce que symboliquement,
la femme étant liée à ce qu'on appelle le monde de Malchut, le royaume, alors en fait, elles viennent pour rétablir le royaume. Voilà pourquoi leurs cheveux sont des cheveux de femme. Le cheveu représente l'excroissance de la terre et l'ouverture des shéarim, c'est-à-dire des portes. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont ramener l'ouverture des portes dans le Malchut, mais en même temps, elles vont punir les méchants et sauver, ou mettre en, de côté et ne pas les toucher, les bons, ceux qui ont le sceau de Dieu marqué sur le front. Et ils ont donc des dents comme les dents du lion. Ça veut dire que quoi? Comme lion, c'est le mois de Av, j'avais dit que, si vous vous rappelez, dans les versets précédents, dans un micro précédent, qu'effectivement, le mois de Av étant le mois de la destruction du temple, ici, le mois de Av va revenir, mais comme le mois pour la rédemption, cette fois-ci. Et donc, le prochain Av de cette année va être un mois clé pour la rédemption. Alors, c'est vrai que lorsqu'on prend les relations entre ce mois-là d'avril que nous traversons, que nous avons traversé, mais que nous commençons, l'intervalle du bélier au lion, c'est 5 signes. Donc, ce sont les 5 mois depuis que commençait le confinement jusqu'à Tshah B'Av de cette année. Il va y avoir une sélection. Et après Tshah B'Av, les dents de lion vont toucher ceux qui ont détruit à la Paz et qui ont été l'origine de la destruction du temple sous le signe du lion. Hein, et on sait à quoi c'est lié. Hein, bon, je ne veux pas en parler, mais ils ont intérêt à faire un petit bureau en eux. Hein. Rapidement, hein, il faut réparer ça rapidos. Et après, donc, faire réintégrer les choses, et après, donc, on aura le commencement des bases de ce qu'on appellerait le monde de la délivrance, qu'on va voir éclore au fur et à mesure. Alors, certes, pendant 10 ans, il va falloir pour annuler totalement le mal sur la terre, on dit bonnes années, il faudra un peu plus, mais disons que il vaut mieux vivre ces 10 ans dans une manière positive et active et en arrêtant de s'endormir et d'être des moutons qui sont menés à l'abattoir par des mauvais bergers, hein, plutôt que de mener notre cheminement pour l'unité. Il vaut mieux mener notre cheminement pour l'unité plutôt que de se laisser comme des bergers, comme des moutons, menés à l'abattoir par des mauvais bergers. C'est tout. Il faut faire attention. Et Ézéchiel est strict là-dessus. Pérec 34, disait, vous comprendrez tout. C'est relisez, lisez, relisez. Vous comprendrez tout. Il n'y a pas. Là, on ne peut pas y échapper. C'est un prophète. C'est pas Rabbi un tel ou Rabbi un tel qui, dans l'exil, a dit telle chose ou telle chose. Parce que là, ils n'arrivaient même pas à la cheville des Tanaïm et des Amoraïm, de lesquels ils se gargarisent à longueur de journée, hein, sans les comprendre du reste, hein, parce qu'ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas gardé les clés, mais encore plus, par rapport aux prophètes, qui eux-mêmes, les Tanaïm et les Amoraïm, ne leur arrivaient pas à la cheville. Et encore moins, Moshe Rabbeinu, on se réfère de Moshe Rabbeinu, qui lui, on dit, si tous les prophètes d'Israël, on devait les comparer à Moshe, c'est comme comparer le singe par rapport à l'homme. Alors qu'on ne se prétend pas de la Torah de Moshe Rabbeinu, quand on n'a rien de tout de la Torah de Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu peut-être, mais pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu peut-être, mais pas Moshe Rabbeinu. Comme il disait, nous sommes les frères, mais comment ils s'appellent, les inconnus, là, dans le sketch qu'il m'avait envoyé Xavier, nous sommes les frères Rabbeinu. Nous sommes les frères Rabbeinu. Je vous conseille de regarder la,
La vidéo, là, elle est trop bonne. Franchement, vous écrivez sur YouTube les frères Raptou par les inconnus, vous allez vous comprendre. Ah, pour les frères Raptou, on fait pas mieux, hein, ça va. Hein? Les frères Raptou. C'est les frères Raptou, Tchamoshé Rabbeinu. Enfin, donc là, si j'ai parlé, ces choses-là, c'est. Je me suis un peu connecté avec Moshé, le prophète, pour répondre à ceux qui se prétendent aujourd'hui de Moshé Rabbeinu, qui n'ont rien à voir avec Moshé Rabbeinu. Rien à voir avec Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, ils connaissaient le proto-sinaïtique. Eux, ils ne veulent même pas étudier le proto-sinaïtique. Moshé Rabbeinu, il a transmis des choses et des compréhensions des mitzvot qui étaient beaucoup plus ouvertes que les manières dans lesquelles sont décrétées aujourd'hui et interprétées. Alors, référez-vous à Moshé le Rambam, à la rigueur, et ne vous référez pas à Moshé Rabbeinu. S'il vous plaît, parce que Moshé Rabbeinu, il avait la clé de ce qu'il disait. Alors, on arrêtera dans ce type de déviationnisme de comparer toute personne à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, à déduire les histoires d'Isaac, d'Abraham et de Yaakov comme des histoires humaines à premier niveau de maîtres qui n'ont même pas compris le sens. Ce sont des archétypes, on ne compare pas les choses avec ces archétypes. On ne se compare pas avec ces archétypes. On ne leur équivale pas parce que ces archétypes-là font partie de la création et des sirotes. Ce n'est pas des personnes comme toi et moi. Hein? Abraham, il a fait une erreur, le type de quand il a fait ça. Ou alors, dans leurs commentaires d'imbéciles, ils te disent « Noach, il a fait une erreur ». Mais qu'est-ce Noach, il a fait une erreur? Le Noach représente la Sphira de Bina. Arrête un peu. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu crois avoir compris? Va, retourne à la maternelle, ça vaut mieux. Hein? C'est tout ce que je veux dire. Alors, on va continuer. Donc, le degré 189, qui est le degré 9 du signe de la balance, leurs cheveux sont comme des cheveux de femme et leurs dents comme les dents de lion. Alors là, curieux, regardez, quand vous faites ce texte-là, hein, verset 8 du chapitre 9, il y a quelque chose d'extraordinaire dedans. C'est quoi? C'est quoi ce que... Il est lié au neuvième degré de la balance. Mais c'est quoi le degré 9 de la balance? C'est un jour avant Yom Kippour, le premier Kippour de tous les temps. C'est qui? C'est Adam qui l'a fait, ce premier Kippour de tous les temps. Hein? Il a le 7, Adar, le 7, pardon, Tishri. Il a été séparé de Chava, parce que la première semaine, personne n'en part. Hein? Elle est au niveau de Adam, Betsalmo, Kidmuto, Bara Oto, ça veut dire que c'est un autre niveau, ça se passe au niveau de Bria. Après, on part du niveau de Yetzira et de la division entre l'androgyne simple à un passage à l'androgyne double. Alors, à partir de là, on a la dame de Yetzira qui va être créée le 7 Adar, le 7, pardon, excusez-moi, le 7 Tishré, donc le 8 Tishré, le 9 Tishré, le 8 Tishré, pardon. Qui est un dimanche, qui est un vendredi, le 8 Tishré, vendredi 8 Tishré, comme le premier Tishré était aussi un vendredi. D'accord? Pardon. Le vendredi 8 Tishré de la base, Adam est séparé de Chava et on les met face à l'épreuve. Ils ne passent pas le Shabbat qu'ils ont déjà fait la faute, ils partent, on les change de vortex. Ils passent dans une autre dimension, et là, certes, quand ils arrivent sur Terre, sur la Terre d'en bas, ils ont été chassés d'Éden, ils ont peur, car ils voient des animaux autour, les animaux aussi ont aussi peur d'eux, hein, c'est comme si c'était deux extraterrestres qui arrivaient sur Terre, hein, pour les animaux, et pour les hommes Bial de la Terre, hein, parce qu'il y avait des hommes Bial sur la Terre, comme disent tous les textes les plus anciens. Et ça fait partie d'un enseignement clé qui existe dans toute la tradition. Et bien évidemment, on sait très bien que
le 8 Tishri, Adam a fait la faute. Le 9 Tishri, il a prié. Et le 9 Tishri, on est arrivé au degré 9. C'est un jour avant le Yom Kippour, c'est-à-dire le 10 Tishri. C'est un jour avant le Yom Kippour, le premier Yom Kippour du monde, c'est un jour avant le 10 Tishri. Et là, qu'est-ce qu'il est marqué ? Donc, leurs cheveux sont comme des cheveux de femme, leurs dents comme des dents de lion. Ça veut dire que dès là, on va voir que selon comment ils vont se comporter, hein, et selon le choix des individus qui ont été faits sur l'histoire du monde, l'histoire va être réparée. Et à partir de là, si leurs dents de lion sont comme des dents de lion, c'est pour apporter le jugement à ceux qui ont causé la destruction du premier temple. Et ceux qui ont perpétué jusqu'à notre temps, parce qu'entre le temps de la destruction du premier temple, entre eux, il y a 2000 ans ce qui s'est passé, entre eux, ce qui s'est passé en 1993, entre eux, ce qui s'est passé lorsque il y a eu la tour de Babel, tous ces temps-là se sont mixés ensemble et il y a des tsinorot qui communiquent avec notre temps selon les règles que Rabbi Abraham Nizra a expliquées, hein, par les planètes qui vont en sens rétrograde et qui amènent, si on veut dire, une ouverture des vortex de ces temps-là en notre temps, pour réparer les choses. Voilà. Alors après, le degré qui suit, qui est lié au verset 9, du chapitre 9, ils ont des thorax comme des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes est semblable au bruit des chevaux qui courent au combat. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les cuirasses, leur tiferet, c'est-à-dire la partie tiferet du corps. Ça veut dire qu'en fait, ça dérive de Mars, c'est tiferet de Mars, c'est pas n'importe quoi. C'est tiferet de Mars, c'est-à-dire la guerre pour rééquilibrer les choses. C'est la guerre contre, pas contre n'importe quoi, c'est la guerre contre le mal, pour l'extirper de la terre. C'est la guerre contre les méchants, pour les extirper de la terre. Donc ça désigne un Mars, mais un Mars qui n'est pas dans le sens du fer, qui est offert pour la guerre, mais offert pour la guerre de Dieu. Et le bruit de leurs ailes, c'est-à-dire leur partie spirituelle, est semblable à un bruit de chevaux qui galopent pour la guerre. Les chevaux, quand ils galopent pour la guerre, ils sont finalement manipulés par les hommes. C'est les hommes qui cravachent les chevaux pour en faire des instruments de guerre, des animaux de guerre. Le cheval, il ne va pas faire la guerre tout seul. Il fait la guerre pour l'homme. Voilà pourquoi la notion du cheval a souvent été lié à la notion de l'être humain sur la terre en fonction. Le cheval utilisé pour la guerre. Mais là, ici, ces chevaux-là, ils sont sous notre contrôle parce que ce sont leurs ailes qui ressemblent à des chevaux. Or, leurs ailes, c'est lié quelque part aux anges. Et là, à ce niveau-là, ils sont les serviteurs de l'éternel Tzevaot. Ils sont les serviteurs de l'éternel Dieu des armées. Ce ne sont pas des chevaux qui vont courir pour les hommes. Ils vont courir contre les hommes qui sont allés à l'encontre de la règle qu'a donnée l'éternel Dieu des armées. Alors maintenant, on a le verset 9. On l'a vu. Le verset 10. Hein? Alors c'est intéressant parce que finalement ces choses-là, apparemment, on n'a pas de texte qui nous en parle. Et pourtant, si le degré c'est 212 et 212 c'est Rabbi, mais c'est pas Rabbi seulement, c'est pas n'importe quel Rabbi, c'est Rabbi Moshe qui a trouvé le Zohar. Alors, Zohar est égal à 212. Alors ici, on va dire quoi? Le Zohar
212, Zayn Heresh, Zayn 7 et 5, Resh 200, eh bien, il parle plus ou moins de ces choses-là, de quelque chose de similaire pour la fin des temps et l'arrivée de Machir. Donc, le verset 10 qui tombe à 120 degrés, soit le parfait tiers du cercle, le premier tiers qui inclut le bélier avec l'élément feu, le taureau avec l'élément terre, le gémeau avec l'élément air et le cancer avec l'élément eau, donc qui synthétise les quatre premiers éléments, hein, et donc il dit on est en fin de Tammuz, hein, ils ont des queues semblables à des scorpions, avec des dards. Effectivement, le scorpion va être le signe suivant d'eau, c'est-à-dire le huitième signe. Le cancer est le quatrième signe, il est d'eau, le huitième signe va être un signe d'eau. Comme le douzième signe, le poisson va être un signe d'eau. Donc il leur dit, comme ça, « sont semblables à des scorpions avec des dards. » Mais la fin du scorpion est liée au serpentaire. Et la queue du scorpion, attention à la queue du scorpion. Parce que Ibn Ezra dit, c'est dans la queue du scorpion qu'il y a les sept prisons astrales. Et dans cette prison astrale, c'est cette étoile règne sur l'islam et le monde arabe. Et les rois arabes. Pas faire de politique ici, mais je peux dire que ça correspond aussi à quelque chose qui se passe à un niveau où on est à un temps où l'islam est à son sommet, que l'islam veut dominer le monde, et voilà, donc tout ça, ça revient tout ensemble. Vous voyez ? Donc leurs queues, elles sont semblables à des scorpions. Alors il faut dire, bon, oui, l'islam, ils vont faire beaucoup de carnage aussi. Peut-être que certaines de ces sauterelles vont se servir d'eux pour exécuter des carnages qui sont quelque part des règlements karmiques possibles. Possible. En tout cas, je veux dire, quelque part, ils vont être utilisés pour. Mais après, on va les liquider aussi. Ce qui ne peut pas, selon la règle de Dieu, mais avec un très grand détournement de la règle de Dieu. Alors voilà pourquoi, hein. Dans leur queue réside le pouvoir de faire du mal aux humains durant 5 mois. Et là, curieusement, c'est le verset 10. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait, au partir du cinquième signe, qui est le mois d'août, une période d'encore 5 mois qui vont venir après, et qui va faire donc le scorpion, le lion, la vierge, la balance, le scorpion et le sagittaire. Et là, on va commencer au sagittaire. Effectivement, ça va être une deuxième période qui va s'enclencher. Et là, dans cette période-là, il pourrait y avoir une renaissance du monde. Parce que depuis avril, il y avait déjà un commencement d'embryonnage du monde, pour ceux qui ont pris conscience de ce qui se passait. Et alors, le verset 11, écoutez bien, à leur tête, elles ont comme un roi, l'ange de l'abîme. Il se nomme en grec Abaddon, il se nomme en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Ah, ben là, ça c'est curieux, tiens. Apollyon, c'est le nom du premier antéchrist. Selon Nostradamus.
et ça désignait Napoléon et la France. Alors je dirais que derrière ces ceux qui ont voulu faire leur apocalypse à eux, il va y en avoir qui vont subir l'apocalypse de Dieu, à l'encontre de leur apocalypse à eux. Et je crois que certains se trouvent en France. Et pas mal se trouvent en France. France qui aujourd'hui, pour nous, est devenue un État totalement, comment dirais-je, totalement dictatorial et totalitaire. Dictatorial et en même temps, en se disant, avec la dictature des riches. Le premier, alors on est dans le verset 12, le premier malheur est passé. Le premier malheur est passé. Voici, il y a encore deux malheurs à la suite. Le sixième ange sonne de la trompette et j'entends une voix sortir des quatre cornes de l'autel d'or placé à la face de Dieu. Là, ici, le degré, c'est 187. Et il y a 67 lettres. Et certainement, ce n'est pas pour rien non plus, ça. C'est quoi entre la première semaine adamique et la deuxième semaine adamique? Nous sommes la conséquence. Quoi entre un monde qui a été déjà rédempté avant même d'avoir commencé et qui a déjà été officialisé comme un monde de Tikkun, et un monde qui commence à tourner en parallèle, mais qui va donner les chances d'avoir le mérite d'y accéder, pour ne pas recevoir ce qu'on appelle le pain de la boucha, c'est-à-dire le pain de la honte, comme dit le Rav Eshkol. Alors, bien évidemment, le sixième ange sonne de la trompette, et il est placé près des quatre cornes de l'autel d'or. Elle, verset 14, 9, 14, elle dit au sixième ange qui a eu la trompe, la trompette ou le corps, le chauffard, délie les quatre anges liés sur les quatre fleuves Euphrate, sur le grand fleuve Euphrate. On sait qu'on avait les quatre fleuves d'Éden, vous savez que c'est un des mantras constituant la base de la rédemption. Donc, la mantra à dire. Donc, délie les quatre anges liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Verset 9, chapitre 9, verset 15. Les quatre anges sont déliés, ils sont prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, afin de tuer le tiers des humains. Ça n'arrivera pas au stade de 500 millions de personnes laissées vivantes par les fous de francs-maçons qui ont installé ce monument déjà, mais enfin, par contre, qu'il y ait un tiers de l'humanité, ça c'est certain. Un tiers de l'humanité qui va y passer, c'est certain, après tous les cataclysmes. Et toutes les épreuves de l'apocalypse. Un tiers va partir, c'est ça. Donc, le nom des troupes de cavalerie est de 2 myriades de myriades. Donc, 2 fois 10 000, donc 20 000 multiplié par 20 000, ce qui fait donc 400 000. J'en entends le nombre. 9-17, voici une vision, et je vois les chevaux et leurs cavaliers. Ils ont des cuirasses de feu, hyacinthe de soufre. La tête des chevaux est comme des têtes de lion. Leur bouche jette du feu.
de la fumée et du soufre. Là, il est clair que ces messagers-là de l'Apocalypse viennent venger les, ceux qui ont été les causes de la destruction du temple vont être punis, mais ceux qui ont fait subir à tout le peuple juif la cause de la destruction du temple et la cause de cette cause qui était dans ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière, moins de 33 ans, hein, pas 2000 ans en arrière, pardon, 2000 ans en arrière plus 13 ans, hein, eh bien, certes, c'est lié ensemble, mais le peuple juif n'est pas responsable des salopards qui ont fait ce qu'ils ont fait, et qui travaillaient avec les Romains, et qui étaient en cheville avec les Romains, qui vendaient leur peuple romain, d'accord ? Donc c'est sur ceux-là qu'ils vont payer, et ce sont les Romains qui ont exécuté cette sentence et qui après en ont fait payer au peuple juif de génération en génération, puisqu'il a payé au travers de l'Église de Rome et au travers après de l'Islam qui a persécuté les Juifs dans tous les pays où ils ont été. Certes, ces choses-là vont se remettre, tous les diapasons vont se remettre à l'heure. Alors évidemment, comme tout a été noté depuis 2020 ans, donc, évidemment, cet induit est marqué dans les gènes des gens et dans leur ADN. Donc, il y en a qui sentent ça, qui pressentent ça et qui ont peur, et en ayant peur, ils deviennent encore plus antisémites. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est une erreur de penser comme ça. En fait, si les gens prennent conscience et qu'ils changent d'attitude, ils seront graciés parce que l'Éternel ne veut pas l'amour du méchant, il veut simplement qu'il abandonne ses mauvaises voies et qu'il prenne des bonnes voies. C'est tout. L'Éternel est un Dieu de miséricorde avant tout, de vraie miséricorde. Et ne forcez pas ces gens à agir parce que pensez, quand ils vont agir, là, ça va être le dernier carin. Hein? C'est fini. Et après, vous ne pouvez pas dire où on a trompé la Shoah. Ils ont dit qu'il y a eu tant de Juifs qui sont morts à la Shoah. En réalité, c'est pas vrai, c'est même pas une dixième. Ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Et ne mélangez pas l'innocent avec le coupable. Attaquez beaucoup le coupable. Ne mélangez pas l'innocent avec le coupable. Parce que on vous mettra, vous aussi, par la suite, avec le coupable. Si vous apprenez à haïr les innocents, voilà. Donc, et si tout ça, c'est toute une alchimie qui va s'opérer sur la terre à propos de cela, et donc on va voir en plus de verset 18, par ces trois fléaux, le tiers des humains est tué par le feu, par la fumée, et par le soufre qui sortent de leur bouche. Or le feu, la fumée et le soufre qui sortent de leur bouche, c'est trois phénomènes. Le feu, on dit il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pour rien. La fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. En partant des causes, de leur effet, et ensuite, par le soufre qui sort de leur bouche. Le soufre, c'est quelque chose d'igné, mais si tu ne l'allumes pas, ça ne brûle pas. Ça veut dire que, certes, il y a la cause qui a provoqué l'effet, c'est la fumée, mais il y a aussi ce qui était avant, le feu, qui s'est déclenché comme feu. Et ça, c'est une attitude qui a été la résultante du fait que ce feu se répand. Alors ça veut dire qu'en fait, le plus dangereux ici, c'est le soufre. Et le soufre est un des trois éléments alchimiques. Si tu corriges ton soufre, et que tu l'équilibres avec le mercure, eh bien tu arriveras grâce au sel à mener l'œuvre au blanc, puis au rouge.
Mais certes, il faudra passer par le trou noir. Verset 19. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents, ont des têtes avec elles ils nuisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les queues des cheveux, des chevaux symbolisent les derniers degrés des sphères. Quand les planètes sont rétrogrades, vers les fins des degrés de chacun des points de la sphère, ça va amener des jugements qui vont retomber selon les cycles des planètes qui sont liés à des temps antérieurs, qui vont tomber comme karma sur la Terre. Et ça, c'est en fait, c'est les queues qui sont semblables à des serpents. Ce n'est pas des serpents, il ne faut pas le lire au pied de la lettre. Là. Puisqu'on symbolisait l'ouroboros comme le serpent se mord dans la queue pour symboliser tout le cercle. Donc ici, ça veut dire que quand les planètes sont rétrogrades, vous verrez des choses s'annuler. Des événements du passé qui vont ressurgir sous une certaine forme, normalement pour être réparés, si vous ne réparez pas, il y a un problème, ouais, c'est tout. Donc les têtes nuisent. Les têtes, ce sont les événements qui étaient passés, qui vont être réactualisés lorsque les planètes vont rétrograder. Les planètes qui étaient sur ces lieux dans le passé, sur les mêmes lieux où elles rétrogradent. Dans les cycles antérieurs. Et en fonction des vortex qui s'établissent. Alors, verset 20, le reste est des humains qui ne sont pas tués par ces fléaux, ne se repentent pas des œuvres de leurs mains, ils adorent les démons, et les idoles d'or, d'argent et de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc ça veut dire malheur à ceux qui cherchent que les biens matériels. Hein. En fait, c'est ça. Hein. Les belles statues de représentatives des dieux anciens dans leur salon, leur machin. Hein. Les grands collectionneurs, les grands riches qui sont collectionneurs d'œuvres d'art antiques. Ceux qui cherchent dans les œuvres d'art antiques les clés des systèmes pour dominer les nations, vous voyez, et qui appartiennent à des sectes bizarroïdes, aussi bizarroïdes qu'hétérogéniformes, qui ressemblent autant à des sectes que le verraton laveur en passant par le petit sabre de cavalerie, disait un des sketchs de Philippe Clair, n'est-ce pas? Et bien voilà. Et voilà à quoi ça a conduit. Donc, donc, ceux-là vont voir. Pourquoi? Parce que le monde nouveau est en train de se créer. Voilà pourquoi le degré ici est le degré 213. Et le nombre des lettres étant de 130, soit 6 fois 26, 5 fois 26, c'est-à-dire que ça va donner que ici, si ils ont continué malgré tout dans la voie de la rigueur, à continuer d'adorer la matière et de continuer à usurper leur pouvoir vers la matière et vers la domination du monde matériel, comme l'ont fait les peuples anciens, eh bien, même pré-adamiques, eh bien, vont avoir des problèmes. C'est tout, voilà, c'est ce que je vais leur dire. Et enfin, le dernier verset, qui est le verset 21 du chapitre 9, ils ne se repentent ni de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alors là, les vols, c'est clair et net, hein, parce que les banques volent tout le monde, hein, elles volent toute l'humanité. Hein. Donc on sait que c'est lié aussi au système bancaire et à tout ces établissements du système bancaire pourri. Hein.
Et puis, bien sûr, l'impudicité, parce que, évidemment, la plupart de ces gens-là font des sacrifices humains, font des rituels sacrés, magiques et tordus. Hein. Et l'adoration des démons, hein, et les sortilèges, hein, qui usent de magie, ainsi que les meurtres. Parce que ceux qui ne vont pas dans leur sens, ils les éliminent. Donc, il s'agit bien des Illuminati, ici. Voilà. Et le vol, bien évidemment, c'est le vol des âmes aussi. Hein. Et derrière cette puce qu'on veut mettre, là, pour dire, pour juste expliquer ça pour Biguette, hein, au niveau de cette puce qui veut faire mettre à tout le monde, derrière cette chose-là, bien évidemment, il y a le contrôle mental des individus, et il y a évidemment la volonté de voler les âmes et les cerveaux des gens, et de transférer leur énergie chez d'autres qui croient avoir atteint peut-être l'éternité par la cybernétique, mais sont les olivettes. Hein. Il y en a d'autres qui s'y sont livrés avant, et on a vu où ça les a conduits, c'est les Atlantes. Alors continuez à poursuivre leur voie, et vous verrez bien où ça vous mène. Voilà, au cours. Et là, je finis le cours avec ça. Maintenant, si vous voulez, on pourra en discuter.